parlé trop longuement de la chorale La Clé des Champs. On fête donc nos 20 ans cette année. On va vous interpréter 5 extraits de notre répertoire. Les deux premiers, c'est tout simple, ce seront le premier chant, le tout premier qui a été appris il y a 20 ans, et puis le troisième. On commencera par Hymne à la nuit, Jean-Philippe Rameau, et puis Nabucco, extrait du célèbre opéra de Verdi. Voici La Clé des Champs, mesdames, messieurs. Comment pouvions-nous fêter ces 20 ans sans toi, mon cher Christian? Je vais me faire le plaisir de te laisser le micro. Qu'est-ce que j'en fais, le micro? Ça se mange, ça, non? Non, mais je suis content d'être parmi vous, puis je vous remercie surtout, beaucoup, je vous remercie de votre accueil. Ça me touche beaucoup quand on commence à faire partie de la... du quatrième âge, ça fait toujours plaisir de voir que tout le monde ne vous a pas oublié. Merci encore. Il est un peu comme ça, parce que à 39 ans, c'est quand même pas... C'est 39. Oui, t'es gentil, ça va être 49 bientôt. Vous mettez dans le bon ordre. Hein? Alors le premier, Hymne à la nuit. On y va? Hymne à la nuit, allez, ouvrez vos... Oui.
Et voilà. Comme quoi, la musique, ça concerne la musique. Parce que quand on met l'entrée, on fait de la musique. Alors, juste pour encore remercier Christian, je dis souvent quand il a créé la chorale, il avait 74 ans, un sacré culot quand même. Parce que moi, 74 ans, je suis pas sûr. Oui, mais à ce moment-là, j'étais un gamin. J'y réfléchissais pas. Avoir réfléchi. Parce que ils se débrouillent pas trop mal. Parce que tous ces garnements qui sont là derrière moi, c'est tous mes enfants, mes petits-enfants, et même j'ai appris qu'il y a, j'ai même une arrière-petite-fille. Je vais aller mettre dans mon fauteuil. Je n'oublierai pas, j'ai peut-être plus longtemps y penser, mais au moins pendant le temps que je serai encore avec vous, j'y penserai. Et ça ne me quittera plus maintenant. Merci encore de tout cœur. Tous les anciens choristes qui sont venus avec nous, certains vont rester un petit peu, vous allez pouvoir regarder la salle en passant par le côté. Voilà. Vous me permettez de faire un petit bisou à ma femme? Non, c'est pas toi ma femme. Sinon. Voilà. Thank you.
je me rends compte. Je ne t'ai pas rendu ton crayon, André. J'ai oublié de te rendre. J'ai oublié de te rendre. Après, je vais oublier. Excusez-nous. Je viens du Sud. Très très belle chanson de Michel Sardou. J'aime beaucoup les chansons qui parlent des lieux, qui parlent de ce qu'on a vécu et tout ça. C'est une magnifique chanson. En hommage évidemment à tous les habitants du Sud. Talmont, Saint-Cyr-en-Talmondel, tous ces gens du Sud qui... Voilà. On pense à eux beaucoup quand on chante cette cycle. Voici, je viens du Sud. Thank you.
Alors, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, celui-là, il nous parle. Quand on a des ancêtres et beaucoup de familles qui sont encore marins-pêcheurs de nos jours, ce qui est mon cas, ah ben, le miséréré de la mer, il parle aux tripes, il parle aux poignes. On va vous raconter l'histoire de ces marins qui partent à la pêche. Et encore une fois, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme technique, comme technologie pour les aider. Et on savait quand ils repartaient. Souvent, les femmes attendaient au bout de l'acheter de voir si le bateau revenait. C'est une histoire qui n'est pas très très gaie, celle qu'on vous raconte, mais c'est une histoire qui fait la vie, qui est faite de moments joyeux et de moments qui sont moins. C'est l'histoire de cet équipage qui va se perdre au milieu de l'océan, au cœur de la tempête, et qui va, alors que tout espoir est perdu, invoquer Notre-Dame et tous les saints à leur secours. Et le refrain, « À moi, Notre-Dame et tous les saints, prenez en pitié tous les marins. Voici le miséréré de la mer. » Amen.
Alors, on se fait un dernier petit plaisir avant de recevoir tous nos amis avec chanter. Alors chanter, la première fois qu'on l'a fait ici, c'était avec la chorale de Saint-Laurent-sur-Sèvre, dont le président est ici. Et quand on a fait notre festival en 2010, de mémoire, on avait terminé par ce chant-là qui nous avait vraiment emballé, qui est bien compliqué dans l'apprentissage, mais tellement joli. Chanter, avoir peur, avoir mal, mais chanter. Quoi qu'il vous en coûte, chanter. Vous êtes jeune, chantez. Vous êtes moins jeune, chantez. Vous avez faim, chantez. Vous avez froid, chantez. Vous êtes content, chantez. Vous êtes triste, chantez. Vous n'êtes pas content, chantez quand même. Vous chantez bien, chantez. Vous chantez mal, chantez. C'est maintenant, avancez, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Avancez, 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 avancez. Surtout timide. Je remercie tous les gens qui nous ont donné un coup de main encore une fois. Les gens qui sont là-haut à la régie, parce que il faut aussi du monde en régie, c'est important. Je salue en régie Claude, Delphine et Émilie, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Ils sont venus dépanner au dernier moment parce que le régisseur qu'on devait avoir, avancez, n'ayez pas peur. On devait fermer le rideau, mais vous allez voir en vrai comment ça se passe. Vous allez voir.
Voilà. Alors, on va avoir un régisseur, et puis donc Émilie et Delphine sont venus dépanner en vitesse. Sur les petits bons de commande du DVD, vous avez la photo d'Émilie, son nom d'artiste, c'est Bigoudi. Il y a un petit site internet pour aller voir ce qu'elle compose et les œuvres qu'elle écrit, qui sont vraiment très très bien écrites, bien interprétées également. Merci à toute l'équipe des Atlantes qui nous reçoit de temps en temps. Voilà. Ça va faire du monde, hein. Donc il faut le temps que ça se mette en place, tout ceci est normal. Et puis merci à tous les non-choristes qui nous ont aidés. Ils sont déjà dans la salle à préparer la suite, et c'est vraiment important, tout ça. Et puis, ben, je remercie encore tous les autres représentants des autres chorales que j'ai vus là. J'ai vu nos amis de région de Touraine, de Saint-Laurent, j'ai vu des gens d'un peu partout. Voilà, c'est très sympa d'être passé nous voir et d'être avec nous. Le chant commun que nous allons vous chanter, c'est « Les roses d'Ouessant ». L'histoire, j'ai pas envie de les faire taire, parce qu'ils sont tellement gentils d'être là, il faut parler un petit peu. Les roses d'Ouessant, nous l'avons chanté en commun avec nos amis d'Arc-en-Ciel lors de l'inauguration du Grand Espace à Muron-le-Captif, où plus de 1500 choristes étaient réunis, et on a eu la chance d'être dirigés par Claude Bardon, le chef de l'orchestre de Vendée, et ça a été un grand, grand plaisir pour nous. Nous allons donc vous chanter Les roses d'Ouessant, dès que tout le monde sera prêt. Je pense qu'on a à peu près tout le monde. Vous me permettrez de faire un tout petit remerciement spécial, parce que bah, ça fait maintenant 13 ans que je dirige la chorale. C'est quand même du temps à passer pour les concerts et du temps de préparation. Donc je voudrais remercier ma chère et tendre épouse qui est là, et puis mes enfants qui sont venus. Donc Sandy avec Maxime, là-bas. Coucou. Anne, Hélène. Parce que c'est vrai que les papas, ils prennent aussi du temps pour préparer tout ça. Ils sont toujours heureux. Puis des fois, je leur amène des chocolats après le concert. Thank you.
Je vais demander à ce moment-là aux trois chefs de venir devant, que vous soyez quand même devant Bruno, Corinne et puis. Où est-ce qu'elle est? Céline, elle est où? Voilà. Jérôme, je voudrais que tu descendes aussi, Jérôme, qui m'accompagne au piano, s'il te plaît. Tu sois avec nous pour la fin. Merci, parce que c'est important. À mes yeux. Voilà. Tu prends tout ton temps. Je préfère que tu descendes lentement, mais que tu arrives entier. Voilà. Alors, ben, remercier effectivement. Viens avec nous. On va se mettre les quatre chefs ensemble. Voilà. Et là, vous avez une belle brochette. Je me permets de signaler aux élus qui sont dans la salle que nous avons la parité. Voilà. Alors, bah écoutez, on va chanter les roses bruissantes. Si les choristes. De toute façon, honnêtement, on n'en a pas d'autres. C'est celui-là où on arrête à voilà. On fait ça? Allez, on peut comme vous voulez. Chantez avec nous si vous faites la. Thank you.
Parce que quand même, pour des chorales, il faut des chefs. C'est important. Les présidents aussi, on n'oublie pas tous nos présidents et tous nos bureaux qui vous aident au quotidien. Non, pas. C'est vrai, Bruno, avancez. Jérôme. Viens aussi, Jérôme, s'il te plaît. Ici. Ah bah si, parce que... voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Merci aux choristes. Et puis, merci à vous d'avoir accepté de venir avec nous. C'était vraiment gentil. Le dernier mot, il va être pour toi, Christian. À dans 5 ans. Merci beaucoup. Bonne journée sur le plus important.